Soyez les bienvenus dans ma nouvelle formation sur le machine learning avec Python. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les bases nécessaires qu'il faut avoir pour débuter en machine learning avec Python. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et aussi, je vous invite à partager et aimer mes vidéos pour me donner plus de visibilité. Je vais plus me focaliser dans cette vidéo sur la déclaration et manipulation des variables. Pour cela, je vais vous définir la déclaration des variables. Ensuite, je vais vous parler des types de variables qui existent, le nommage, les opérations qui existent en Python. Ensuite, la fonction type. Et enfin, je vais vous montrer comment convertir les variables en Python. Pour cela, je vais commencer par la déclaration d'une variable. En Python, la déclaration d'une variable se fait en même temps que son initialisation. Par exemple, si je mets is égale à 2. Cela veut dire que j'ai affecté la valeur 2 aux variables is. Is. Ça veut dire que la variable is contient la valeur 2. Je donne un autre exemple. Y égale 5. Y. Ce qui signifie que la variable Y contient la valeur 5. En Python, lorsqu'on déclare une variable, cela signifie qu'on a réservé un espace mémoire pour cette variable. C'est pourquoi, quand vous codez, il faut toujours optimiser la déclaration de vos variables. Si vous voyez qu'une variable n'est pas utilisée dans votre code, il faut effacer cette variable de votre code. Sinon, vous perdez de l'espace mémoire. Ensuite, je vais parler des types en Python. En Python, il existe trois principaux types. Nous avons le type integer ou int, le type float et le type string. Il y a aussi d'autres types ou des types plus complexes, par exemple les types booléens. Il y a aussi d'autres types et tout. Je prends par exemple Y. Y est de type int ou integer. Si pas, je vais déclarer par exemple un type float is là, notre is est de type float. Parfait. Alors, je vais donner par exemple un exemple de type string. Car Jonas. Là, car est de type jaune, est de type string et ça contient la variable Jonas. Ça contient d'ouest la valeur Jonas. Ensuite, les noms
Comment nommer les variables en Python? Les noms de variables en Python peuvent être constitués de lettres minuscules, c'est-à-dire petit a à z, de lettres majuscules, grand A à z, de nombres 0 à 9, mais on ne peut pas utiliser les mots qui sont déjà réservés en Python. Par exemple, print, for, on ne peut pas utiliser ces mots. Donc, il y en a plusieurs d'autres mots qui sont réservés en Python. Je vais, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je mets for égale 4, for, j'aurai forcément une erreur. Parfait. Parce que for est un mot qui est réservé par Python. Je vous donne un autre exemple. Print l'image, ce qui signifie que on peut utiliser print. Si par exemple j'utilise range, je vais changer. Parfait. On peut utiliser également range. Donc, il y a des mots qui sont déjà réservés par Python et quand vous voulez déclarer des variables en Python, vous ne pouvez pas utiliser ces mots. Donc, ensuite, je vais vous parler des opérations, tout ce qu'on peut faire comme calcul avec des variables en Python. Je vais d'abord effacer les cellules. Donc, je fais quelques opérations en Python. Si je déclare is égale 45. Is égale plus is égale plus 5. Je viens en bas, je mets is. Donc, si je fais is plus 5, je dois trouver 50. Donc, je mets is, j'affiche la valeur de is. Donc, j'ai is égal à 50. On peut également faire is égal à 20 is moins égal 10 is. Donc, on a 20 moins 10 qui fait 10. On peut faire naturellement is moins
2 is 10. Donc, là, ça n'a pas pris en compte le is moins 2. Si je déclare par exemple is égale 8, y égale 5. Je fais is moins y. Donc, je vais mettre z égale is moins y. Et puis, j'affiche la valeur de z. Donc, on a 8 moins 5 qui donne 3. Parfait. Je vais d'abord effacer les cellules pour avoir plus d'espace. On peut, par exemple, faire un i égale 0. Ensuite, on fait i égale i plus 1. Et puis, on fait i. Ça veut dire i contient la valeur 1. On peut aussi faire d'une autre manière. Comme j'avais fait également, on peut mettre i plus égale 2 i. On avait dit que i contient la valeur 1 et puis on ajoute 2, donc ça fait 3. Ensuite, je peux également manipuler les chaînes de caractères. Par exemple, je déclare une chaîne égale salut. Et puis ensuite, j'affiche salut. Parfait. Donc, quand c'est entre accolades, ça signifie que c'est une chaîne de caractères. Supposons, je veux afficher par exemple chaîne Je peux faire des opérations avec les chaînes de caractères. Plus. Python. Je mets par exemple une variable mot égal. Et puis j'affiche mot. Parfait. Donc j'ai salué Python parce que chaîne contient la valeur salut. On va, supposons si je vais mettre un espace, on appelle ça une concaténation, ce que je viens de faire. Donc si je vais mettre un espace, je vais juste faire mot égal. Mot contient salut Python.
chaîne plus espace plus Python. Et si j'affiche la nouvelle valeur de mot, on va voir le résultat. Parfait. Donc, j'ai salut Python avec un espace. Là, c'est plus beau. Alors, je vais d'abord effacer les cellules. Parfait. Ensuite, je vais continuer de manipuler les variables. Je vais maintenant déclarer chaîne égale Jonas. Et puis, je fais nombre égal chaîne fois 3. Donc, ça va afficher la valeur de Jonas 3 fois. Donc, on aura Jonas, Jonas, Jonas. J'affiche maintenant la valeur du nombre. Parfait. Donc, nous avons Jonas, Jonas, Jonas. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons, par exemple, je mets nombre égal quatre. Celui-là, le 4 qui est défini, ce n'est pas un entier. C'est une chaîne de caractères. Donc, si je veux afficher le 4, je fais par exemple nombre. Nombre. Je fais par exemple nombre. Je fais. Donc, ça a affiché la valeur du nombre comme une chaîne de caractères. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Quand on met double quote, il s'agit d'une chaîne de caractères. Maintenant, je vais vous présenter la fonction type. Il faut que j'enlève ces cellules d'abord. Parfait. Supposons qu'on déclare une variable ou bien on a une donnée, on ne connaît pas son type. Or, si on connaît le type de la variable, on pourra traiter la variable autrement. Donc, c'est très important de savoir le type d'une variable. Pour cela, en Python, nous avons un opérateur qu'on appelle type. Donc, et c'est cet opérateur qu'on utilise pour savoir les types d'une variable. Si je déclare par exemple ins égale 4, ça c'est un entier. Je fais comme si je ne connais pas, je ne savais pas que c'était un entier, et je mets type égale ins parfait. Donc ça me dit que ins c'est un entier. Je fais la même chose, je prends par exemple un y égale cinq point six. Là c'est un float, donc je fais comme si je ne connais pas son type. Et je vais taper type Y. Là, ça me dit que c'est un float. Je donne un autre exemple. Si j'ai par exemple chaîne égale
Jonas. Là, c'est une chaîne de caractères, donc ça fait type string. Donc, je fais comme si je ne connais pas naturellement son type. Et puis, je tape la commande type chaîne. Et je fais entrer. Là, ça me dit que c'est un string. Ensuite, je vais vous montrer comment convertir des types. Supposons que vous avez une variable qui est du type entier, mais vous voudrez utiliser un float ou bien un string. Comment vous allez convertir cette variable? Je donne un exemple très simple. Mais d'abord, je vais effacer les cellules. OK. Donc, nous avons la variable i qui est égale à 2, qui est du type entier. Je vais maintenant convertir le type de cette variable en string ou en float. Donc, je vais faire d'abord un string. Pour cela, on va utiliser la fonction str. Str. Là, ça me dit, ça convertit la valeur de i comme un string. Supposons, si on veut maintenant utiliser la même variable comme un float, on peut également faire float i. Parfait. Donc, nous avons converti la valeur de i en float. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons nous avons un Nice qui est égal à 4,65. Ça, c'est un float. Je vais le convertir en int, c'est-à-dire en un entier. Là, c'est une erreur. Au fait, j'avais mal écrit le float. Je devais mettre point au lieu de virgule. Donc, je vais mettre ins égale 4,56. Là, nous avons un float. Et je vais faire un int de ins. Parfait. Donc, ça fait 4. Ça convertit la valeur de float en entier. Parfait. Je suis à la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez appris et vous connaissez maintenant comment déclarer et comment manipuler les variables en Python. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait. À bientôt pour de nouvelles vidéos.